bonsoir, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Bonsoir Daniela, ça bonsoir, va? Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Nous sommes contents de vous retrouver pour une nouvelle émission des Jeux sans frontières. Nous sommes à Madrid, où nous avons quitté la France la semaine dernière. Les Français n'ont pas été formidables, mais ce soir... Ils étaient excellents, mais ils peuvent être encore ils mieux. Ils vont être meilleurs ce soir, encore ils sont meilleurs. Très forts. Nous allons vous parler de cirque. Attention, ça va être sublime. Regardez quelques images de la ville, la très belle ville de Madrid. Alors voilà quelques images de la très très belle ville de Madrid. Madrid, la capitale, vous la connaissez bien sûr, la capitale de l'Espagne. Alors on a fait du chemin, hein, Madrid, depuis l'époque d'Alfonso VI en 1083 et de Philippe II qui en a fait sa capitale en 1561. C'est une ville très moderne, n'est-ce pas Daniela? Absolument, tournée très vers moderne, l'Europe. Mais en même temps avec une richesse archéologique et une richesse historique importante. Et puis on ne peut pas parler de Madrid sans parler du Prado, et on peut y voir bien sûr beaucoup d'œuvres de Francisco de Goya. Alors, on peut dire une seule chose, il faut venir voir Madrid par soi-même. Voir Madrid et mourir. Le moment est arrivé de vous présenter les équipes avec notre première équipe française. Et c'est Fécamp. Fécamp. Ah là là. Ils arrivent, ils sont beaux. Ils sont formidables déjà. Moi, je les sens bien, je les sens très très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les images. C'est en Normandie, la plage, les falaises, la bénédictine. Vous savez que c'est une spécialisée de Fécamp. Je le sais. Et surtout le précieux sang. Source légendaire, le sang de Fécamp, c'est un tronc de figuier qui serait venu de Palestine, renfermant en son sein une ampoule de sang du Christ. Et tout ça est venu échouer là. Vous n'avez pas fini votre texte, et celle d'image n'est plus là. Mais enfin, c'était bien. Je voulais vous dire, c'était venu échouer là, et que donc la porte bonheur... Oui, enfin, maintenant, vous allez vous laisser taire, parce que je vais vous parler du Pays de Galles. Alors, le Pays de Galles, ils sont comment en rose. Comment ça, je me taire, moi? Bah oui, regardez, puisque la ville est de Frexham, et c'est pas facile à dire. Alors, c'est une très, très grande ville du nord du Pays de Galles. Et c'est une merveilleuse ville, c'est très vert, il y a des arbres, il y a de l'herbe, et on s'y amuse, il y a un château, le fameux château de Frexham. Et alors, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a une des sept églises les plus importantes du Pays de Galles. Bon, alors, vous connaissez le Pays de Galles, le Fighting Spirit. Vous connaissiez ça? Bien sûr, bon. J'ai bien connu. Et maintenant, l'équipe italienne avec la ville de Castel Goffredo. Ah, ils sont bien. En général, ils sont forts, les Italiens. Il faut se méfier d'eux. Ils sont très forts. Alors, Castel Goffredo est une très jolie ville, près de Milan, dont la spécialité est les colons. Vous savez, c'est les la capitale des colons et des bars. Déjà au XVIe siècle, dire que les gens la cour se collent de à vous Charles-Quint d'Espagne s'approvisionnait en bas là-bas. Ah, les bars, oui, les bas, colons. Là-bas. Oui, je me propose. Alors, ça, comme déjà Charles-Quint s'approvisionnait en bas là-bas, ça crée des liens quoi, entre l'Espagne, l'Espagne et l'Italie, et surtout entre l'Espagne et cette ville. Alors, le Portugal maintenant, l'El Portugal, ça veut dire Portugal en espagnol, et c'est vert, vous avez d'ailleurs connu la couleur, la ville de Leyra. Et Leyra plutôt pas mal ce soir, je les trouve forts les Portugais. Alors ils viennent de Leyra, alors regardez ce paysage verdoyant, je vous lis exactement la carte pour qu'on m'a refroidi. Le château de Leyra s'appelle Leyra comme le nom de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les thermes, et les fameuses thermes de Montereal, c'est qu'on y boit beaucoup d'eau, menteur. Et puis quoi encore? Il y a la plage, quoi on fait du surf, et puis quoi encore? Et puis c'est quoi tout. Encore. Et puis c'est tout. Et voici maintenant l'équipe de San Marin. En jaune. C'est un des 9 châteaux de San Marin, pas Etano. Donc San Marin toujours en jaune. Et oui. Je vous rappelle que San Marin gagne. Alors, souvent. Ce que je voulais vous dire, je voulais en profiter de cette occasion exceptionnelle pour signaler que l'équipe de Faetano, l'équipe de pêcheurs à la ligne, a gagné en août 81 le championnat mondial de pêche à la ligne de Florence. Oh, bah ça c'est intéressant. Alors c'est un détail auprès du cœur, enfin, je ne voulais pas vous laisser passer. Mais c'est bien mon bouchon, c'est très bien mon petit bouchon, c'est très bien. Très important et c'est je pensais que vous auriez été très triste alors, de ne pas savoir point ça. À la ligne. Très important. Merci. Et alors, l'Espagne. Eh oui. La Rosas. L'équipe de Las Rosas. Oh bah ils sont là, ils sont venus, ils sont très très heureux, ils sont très contents, ils n'ont pas été loin. Ils ont pris le taxi. Oh, dis donc, elle est bien. Oh, je... Où est-ce que je reviens? Oh, restez là. Je reviens. Non, c'était pour... Ça va, bah, j'ai... C'est un copain. Je me suis fait un cop. Alors, il vient d'où, cette ville de Madrid? Ils sont en Espagne. On les applaudit. Regardez ce plan merveilleux. On peut leur souhaiter bonne chance à tous et à toutes. Et que le meilleur gagne, pourvu que ce soit Fécamp. Alors, nous ne vous l'avons dit que trois fois ce soir. Nous parlons du cirque. Eh oui, oui c'est nous le allons de parler la du cirque. Bonne le chance aux Français. Allez, Fécamp. Oui. Oh, je les sens bien, je les sens bien. Allez, Fécamp. Bon, et allez les autres aussi, je suis assez oui. Hypocrite comme allez, garçon. Allez les autres. Dégagez. Allez. Oui, c'est vrai. Allez Fécamp, les autres aussi. Oh, des animaux. Oui, non, c'est pas des animaux, c'est des mouches. Des animaux. Ils vous prennent pour une salade. Ça encore va encore lui.
Le premier jeu, Daniela. Le premier jeu, c'est un jeu...